Dites-nous, monsieur le maire, où en êtes-vous des pistes cyclables? Derrière cette diapositive, 5 autres diapositives qui vont vous donner à peu près ce que l'on a en tête sur ce qu'on va appeler notre réseau de pistes cyclables. Alors, on le disait tout à l'heure, on a quelques barreaux. Vous avez le barreau qui vient du pont de Bougival qui monte jusqu'au collège. Alors là, il n'y a pas de problème. Ensuite, vous avez bien entendu la totalité du barreau sur les berges. Je vous rappelle quand même qu'on a fait le petit bout de piste cyclable maintenant entre les berges et le chemin de ronde. Et vous allez avoir le barreau, entre guillemets, chemin de ronde, qui va du bout de chemin de ronde jusqu'au lycée Alain. Et donc, bien entendu, il faut qu'on continue, il faut qu'on aille un petit peu plus loin. Donc, vous allez pouvoir poser la diapositive suivante avec un certain nombre de petits ronds partout qui sont pour nous ce qu'on appelle les points remarquables, c'est-à-dire tout simplement des points que nous devrions retrouver, arriver à faire un réseau pour rattacher, pour y mettre les pistes cyclables. Donc comme vous pouvez le voir, il y a un certain nombre de petits ronds, et donc il faut essayer de les relier au fur et à mesure. Donc ça a l'air simple comme ça, mais c'est un petit peu plus difficile, parce que je vous rappelle quand même que quand vous faites une piste cyclable, ça veut dire que devant chez vous, vous ne pouvez plus vous garer. Donc ça, c'est relativement simple à faire, c'est juste une question de coût, de temps, mais on a les surfaces pour le faire tel que ça se présente. Et puis, on a lancé une étude, c'est ce que vous aviez vu tout à l'heure au tout début sur la première diapositive, pour pouvoir faire tout ce qui va être autour du quartier de l'école Jules Verne, pour pouvoir revenir de la rue des Galions. Ça aussi, c'est simple. Et puis, après, vous avez d'autres petits barreaux verts où on devrait arriver assez rapidement. Ensuite, vous allez avoir les projets à moyen terme. Alors là, déjà, ça commence à s'agrandir. Vous avez celle qui est la voie en site propre de l'Écluse. On verra tout à l'heure, je vous en dirai deux mots, mais sur le principe, elle est pas mal partie. Là, ce qu'on a. Alors, vous voyez effectivement qu'il y a une voie partagée RER. On est en train d'en discuter avec Guilain, mais c'est relativement difficile. On sait qu'on a celle qui est sur les bords de Seine, celle-là, c'est clair. On doit pouvoir faire quelque chose sur l'avenue des Tilleuls. C'est aussi assez simple parce que c'est assez large. Le seul problème, c'est quand vous faites ce genre d'aménagement, il faut aller au plus court, parce que les gens vont au plus court. Et au plus court, c'est la rue Paul-de-Manche, c'est impossible.